Voilà, tout auditeur, auditrice, TV Haïti Papirio, nous dit merci, bonjour, bonsoir avec nous, tout en bienvenue. Et nous dit merci avec toute fanatique boule qui toujours fait des commentaires, qui toujours like, ou même qui aime football, ou même qui aime basket, quel que soit le sport qui vous aimez, hein, pas besoin qu'on ait. Et qui, si c'est basket ou pyramide, si c'est volleyball, si c'est football, bien, bah, vous avez connu ici, là, lui-même, ici, Central Football, là, qui c'est TV Haïti Papyri, ou avec une information, avec une football, sous Chanel, ça. Et nous avons bienvenue à parler de football, là. Et nous, bons amis, nous, qui t'ai écrit, qui dit, t'as aimé, pour me t'avoir avec Palmarès, Philippe Vopouli. Et, amis, ça a relé, chérie, Shelly. Chérie, Shelly, nous saluons, nous disons, eh bien, mes palmarès, nous parlons de toute information sous Philippe Vob. Philippe Vob, c'est un ancien joueur haïtien. Eh bien, là, on a regardé monsieur lui-même, côté Philippe Vob lui-même, non monsieur, et non monsieur, c'est Philippe Vob, ok? Nationalité haïtienne, monsieur fait, et 14 septembre 1947, monsieur gagné 72 l'année sous Zokolos Tetli. Monsieur fait nan capital pays a qui c'est Port-au-Prince. Monsieur gagné 1,85 m. Et monsieur commencé jouer en 1967 et puis monsieur terminé en 1975. Monsieur campé, et bien là monsieur était un millier de terrain et monsieur de qu'on a vu football. Ah bien, en 1967 pour 68, monsieur a vu une équipe dans pays aux États-Unis qui est New York Général. Monsieur joue 14 matchs, il marqué débit. Et puis 2000 et 1973 1975, monsieur doit jouer dans l'équipe violette là. Eh bien, il n'a pas mentionné quantité de matchs joué, quantité de goals il a marqué. Eh bien, là, amis auditeurs, auditrices, c'est comme ça. Eh bien, pour sélection Haïti, amis auditeurs, auditrices, pour sélection Haïti, eh bien, Dimitri et Philippe Vob, excusez-moi, Philippe Vob lui-même, il était arrivé jouer pour sélection haïtienne de football là, il jouait depuis en 1900. Et monsieur commencé à jouer pour Haïti en 1965. Eh bien, monsieur était participé dans la Coupe du Monde. Et 74, là, nous connaissons Haïti lui-même, il était joué. Monsieur était joué un total pour Haïti. Un total match de 47 matchs joués pour Haïti. Il marquait 4 buts. Et nous connaissons monsieur lui-même, il était joué pour l'équipe Haïti a et dans 74 côté monsieur lui-même il était participé dans Coupe du monde en 74 côté Haïti lui-même il était éliminé dans première phase mais côté au Mando ça a marqué un superbe goal face avec l'équipe Italia et bien côté match ça a été fini 3 goals à 1 en faveur italien yo mais quand même noté sauvé l'honneur côté premier haïtien t'a marqué premier goal dans Coupe du monde qui c'est Mando Sanon et ancienne gloire et football haïtien. Et bien là, côté Vob lui-même, il était fait partie, et amis auditeurs, auditrices, sans staff ça. Et bien, côté nous connaît Philippe Vob, il jouait 47 matchs, il marquait 4 buts pour sélection haïtienne de football là. Et bien là, monsieur était entraîné Violette tout, monsieur était son entraîneur. Toujours c'est Philippe Vob, monsieur était entraîneur. Et à deux reprises, il était entraîné équipe Violette là, amis auditeurs, auditrices. Oui, on continue avec toujours Philippe Vob. Et bien là, Philippe Vob lui-même, monsieur était vainqueur de la Coupe des Nations CONCACAF en 1973 pour la sélection haïtienne de football. Et bien là, dans la Coupe du Monde qui était participé dans 1974, la première Coupe du Monde en 1974, côté, tu as gagné un nombre de joueurs. Monsieur lui-même, tu as joué pour l'équipe en Haïti, tu as retenu, tu es capable de jouer match ça. Et bien là, côté, tu as gagné Francis Long comme gardien, gagné Pican, gagné Augustin, gagné André, gagné Duscosté, et bien gagné Bayon. Et nous connaissons un bon joueur Bayon. Et bien là, gagné Vauban lui-même qui était là comme milieu de terrain, gagné Dezi, gagné Antoine, et puis gagné François.
Gagnez Gabriel Saint-Ville, Jean-Joseph, gagnez Racine, gagnez Beluzer. Ça, c'est le nombre de joueurs qui ont joué pour Haïti dans la Coupe du Monde en 74. Gagnez Saint-Ville, gagnez Léandre, gagnez Léandre. Léandre, Joseph Léandre, gagne Léandre, eh bien, gagne tout, Batelme, et nous connaissons joueur Sayo, qui Sayo te présenté pour Haïti, gagne Augustin encore, gagne Sanon, Mano Sanon, nous connaissons te représenté pour football Haïti, gagne Louis, tout, gagne Joseph, eh bien, moun qui te entraîné équipe Haïti en 1974, il était Antoine Tassi, lui-même, c'était entraîneur et Haïti dans la Coupe du Monde en 74. Nous connaissons Haïti lui-même. Première fois Haïti a participé dans la Coupe du Monde, c'était en 1974. Et Haïti n'a jamais participé dans aucun phase finale Coupe du Monde depuis là. Oui, c'est comme ça. Et c'est information de. Oui, information de. Philippe Vob. Ok, information de Philippe Vob, lui-même, c'était toute dernière information sur le terrain sous le joueur Silla, sous ancien joueur Silla, mais actuellement, et nous connaissons M. lui-même, il était dans Radio Caraïbe, et ok, M. était venu dans Radio Caraïbe comme commentateur, et bien là, amis auditeurs, auditrices, c'était toute dernière information sur le terrain pour sous et Philippe Vob, amis auditeurs, auditrices. Merci en pile, merci pour tout, merci pour Philippe, merci pour attention, nous disons ça déjà. Philippe Vob, il joue 47 matchs pour Haïti, il marque 4 buts. Et bien là, c'était information ça nous connaît. Et bien, il était joué dans deux clubs, c'est New York General et avec Violette, zone auditeur. Auditrice, merci en pile pour fidélité, merci pour attention. Dès que nous te posons une question, continuez à poser une question et sous dossier sport, nous là pour nous parler de dossier sport ou même qui aime le football, posez une question, madame ne parle pas de jouer, n'a pas ou. Merci, n'a pas contre pour l'autre prochaine vidéo. Bye bye. C'était Tiffany Gafano, Tcheko, Master Foot, le roi du sport.